Et Spicy aussi, c'est un nom que j'ai déjà vu. Oui, c'est ça, un genre de Zato. Ouais. Et donc, c'est la Bridget qui est sortie. Je pense que. Alors, je sais pas ce que ça donne. Je sais que Zato Potemkin, à un moment, nous disait normalement ingagnable pour Potemkin. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas les options défensives, c'est juste pas là. C'est assez difficile. Ouais, ouais, on a cassé. Mais ouais, le match Bridget-Potemkin, je sais pas ce que ça donne, je sais que... Bridget contre Zato, excuse-moi. Bridget-Potemkin, ça doit pas être terrible. C'est... Ah ouais, c'est une bonne question. Kyu, on me disait que c'était à peu près ok, mais c'était encore très day one pour les Bridget, je savais pas ce que c'était. Bah oui, c'est vrai que Bridget, c'est un perso qui met pas mal de temps à se développer, parce qu'elle est quand même pas si simple que ça, même si ses outils sont faciles à prendre en main, le vrai mix du personnage. Au moins on récupère le burst, c'est pas si mal. Le burst dans Zato, ça peut valoir quand même très cher. Ça peut permettre de faire quelque chose qui est déjà calme. Un sale dans le cartier. Oh la top coupée, ouais, ça reste quand même un genre de potem dans son cœur. Ouais, c'est ça. Oh, oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Petit Orochi là, spécial dédicace, hein. L'ami de Sommet qui est aussi le Sommet, ça a la technique secrète des mecs de la barre. Exactement, il a fait le petit clin d'œil. Il a dit regarde-moi Orochi, depuis l'Irlande, c'est ça. C'est vrai qu'il y a le Celtic en ce moment. C'est ouf qu'on réussisse à avoir 21 joueurs en même temps qu'un tournoi majeur et une équipe. Ouais, et surtout on a pas mal de parisiens qui sont partis là-bas. C'est ça, il y a Patachou, il y a Ror, il y a... Qui d'autre? J'ai oublié. White Jack. Oui, bah oui. Forcément, eux, ils les font tous. Ouais, ouais. Ça va sans dire. Chiffion. Ah, il y a cette 2S et je pense que ça va tuer. Ah non, le combo qui est droppé malheureusement. C'est étrange. Non, 0-0. 0-0 et c'est le... C'est le premier rang, ouais. C'est un long premier rang pour un match de Geeks. Et au moment où on dit ça, Cryo qui vient perdre. Oui, c'est capable. Mais on devrait utiliser le 2-4 Kamiti. Je pense que ce qui a coûté le premier round à qui c'est le Bolder, mais là c'est pas rapide à récupérer. On vient se réceptionner en utilisant la super et quand même pas mal de dégâts, hein. Ouais, en plus c'est l'air de rien. Ah, je crois qu'on m'appelle. Ok, bon, quelqu'un veut reprendre le casque à ma place. Fais des grands signes et quelqu'un viendra. Fais-toi plaisir. Sur moi, je vais pas tarder à devoir y aller aussi. Enfin, après ce match. Bonjour. Bonjour. Comment dire, c'est le mercato, ça peut. Du coup, dans votre cas, du match. Alors, Bridget, c'est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Mm-hmm. Donc, c'est difficile de dire. Parce que, je sais pas si grand monde peut vraiment dire. Après, Kryu, sur Bridget, en ce moment. Okay. Joueur de Potemkin de base. Et après lui, Potemkin Zato, c'est un petit peu Potemkin. Ouais, il faut pas s'approcher. Voilà. Je pense qu'effectivement, Bridget, t'as un peu plus de spacing, tu peux peut-être un peu mieux contrôler. Ils ont quand même une qualité, hein. Les honneurs, ils sont bien. Ils ont des bons armes. Je pense que Bridget a légèrement l'avantage au niveau du monde. C'est plus rapide. En revanche, effectivement, une fois que t'es dans le mixeur, c'est assez. Après là, elle a un dragon aussi, donc c'est l'autre truc. Je peux lui permettre de un peu mieux s'en sortir que Pog. Là, ouais, se rendre là, ça va être assez difficile. Le spacing qui fait. Non, ça faut, une fois que c'est parti. Ça délaye, ça va récupérer un peu de tension. Long pause, bien interrompu, il n'y a plus d'évit, mais malheureusement. Grâce à la tension récupérée. Non, il n'y a pas de contrôle combo jusqu'au bout. Je pense que là, c'est très bon pour le trio. Oh, l'overhead qui, oui, sur les deux S, il n'y en a pas. Ah, Zato, quand t'es dans le corner, c'est fini. C'est pas le meilleur endroit du monde. Hein, partout. Enfin, partout. Oui, c'est ça. Mais c'est bon, on ne pas tout ça. Après le premier round de tout à l'heure, ouais. Oui, non, c'est ça, oui, c'est ça. Ah oui, les rangs sont assez intenses. On dirait pas, mais oui, t'as bien très mal à la pression de Zato. Je pense qu'en fait, il y a une distance, ouais. Quand t'es full screen, Zato a pas mieux que toutes les autres fonds de la planète. Oh, joli. Ça va faire du ballon. Et à ce moment-là, effectivement, Bridget peut l'empêcher de s'avancer. Elle peut facilement tuer Eddie sans prendre trop de risques. Ouais. Oh, ça c'est beau, c'est mort, ouais, c'est mort. Gros burst sur le côté. Il pouvait se le permettre, il avait encore le positif bonus. Attends, Bridget a une illumination là, elle a posé comme un counter zappé. Attends, un Kryu il joue énormément, lui. Il connaît Zato. Oh, avant ce burst c'était un peu discutable. Ah. Au moins ça a tué Eddie, on va regarder le bon côté des choses. Mais en revanche, c'est pas de burst qu'on se rend, ouais, ça marche pas. Shop. Je pense qu'il panique, plus tard c'est moyen. Clairement, je pense que là, Kryu est en train d'essayer de jouer. Tant que tu montes pas que tu peux gérer la shop à ton wake-up, j'ai continué de faire. Là, il joue le joueur, il joue pas le perso. Et on sait qu'il a des options pour mal. Oula, voilà, ça fait pas mal. On a une vraie conversion dessus. Peut-être qu'on va tuer Zato trop tôt.
c'est le moment, il y a tout, il y a Ediano Pro, ça est parti de time, ok, ça, pas mal, ça te fait vite. Ah, pas de chance, on va aller voir dessus. Et c'est Dragon, et tu peux pas burst. Elle a bloqué le burst, c'est fini. Très bien vu, ouais, bien. Il n'y avait pas de raison de ne pas faire ça de toute façon. J'ai pris des hits, si Zato prenait tout, il mourrait. S'il bloquait, bah il allait RC quand ouais, il arrivait. Pour le donc en fait, c'était, c'est le burst qui n'est pas un burst. Voilà. Ça arrive souvent. Bonne question, Christian. Moi, j'ai déjà entendu. Ouais, ouais, on voit qu'au midrange, Bridget a largement les moyens de se sortir. Peut-être aussi Spicy qui n'est pas forcément très bien match-up, c'est quelque chose qui est plus Bridget, encore une fois, perso qu'on il y a pas longtemps. Après, les mauvaises langues diront que Zato joue à peu près pareil contre tous les personnes du cast. Ah, la suite de Zato, on reste dans le mais c'est vrai que là, on voit que mid-screen, Bridget a des options pour le test d'Exi, notamment. On serait très bien. On a pas un très bon burst, ça, ça va mettre dans le mur, on va lancer la Fury. Et il va pas de shit, ça va. On va avoir un gros petit hockey derrière. Parce que ici, il peut pas faire grand chose, il va pas subir. Le double hit, ça tentait de faire la chasse derrière. Essaye de bait vite. Ouais, je pense que là. Il va passer l'attaque. C'est le moment. Ah, ah, ouais, mais. Une ouverture. Trop loin pour vraiment avoir une conversion dessus, c'est dommage. Et c'est terminé. Ouais, c'est Kryo qui va prendre ce round. Il a fait jusqu'à saisir quand même. Ouais, mais quand on dit pas facile, on a vu comme Drake, Zato a l'air de. Ah, forcément, très bien. Kryo connaît très bien les trous de Zato aussi. Il sait quand est-ce qu'il s'est fait. Ok. Choc Spray, là on peut commencer à voir des choses. Je pense que Zato a une illumination là. Ah ouais, ça touche avec le burn. Ah, ça touche. Il a regardé le corner, on refait la course. Alors on est à un mix-up de Bridget. Non, c'est Bridget qui panique. Non, je pense pas que Kryo panique, mais il faut qu'il aime bien. Voilà, il n'est pas nouveau un ulti, il s'est fait toucher par quelque chose. Eddie, je crois. Je crois qu'il a invoqué Eddie. C'est assez bizarre. Comment, non, Eddie? Ouais, c'était en down, c'est bien. Ça fait un round partout, ouais, là, c'est le sort de la revanche. Là, c'est propre pour Spicy. Elle est plus sur la défensive maintenant, elle a compris. Passe pour faire commencer dans le corner. Ouais, c'est clairement un rôle de patch. Pas très dur pour Zato pour sortir par son joy. J'ai bon burst cette fois. Il a bon esquive les kicks. Ouais, il y a des trucs à faire avec le boyau. Elle attend Eddie, elle a plus Eddie, elle va attaquer. C'est la première fois que je vois Eddie qui meurt aussi dans un match. Ah mais non, il a un tout petit coup trop tôt. Et dans le corner. Il est dans le Blockstone, il a maintenant la punition. Malheureusement, c'était dans le corner. Joli Blockstone, ça me ah, je le porte très loin, mais. Le deuxième passe. C'est Zato dans la moindre erreur et tu t'en veux. Il y aura une petite conversion et tout ça. Ah, j'ai cassé les murs, ça va être dur pour Kryo, comme ça. On va aller voir du coup le. Allez. Et le corner. Ouais, avec le positif bonus, malheureusement. On s'amuse pas. C'est open bar. Ouais. Ah, ça, ça a tenté de bourrer un dragon pour sortir de là. Il n'y avait pas trop joueur. Mais ouais, c'était ça où vous bourrez au chip. Donc, c'est ça. Ça se défend totalement. Combien il y a un partout ? 2-1 pour Spicy, donc la Kryo ne passera pas son pote, mais je ne pas que le de toute façon. En tout cas, c'est pire que Bridget. Je pense. Je le back shot. Ah, et là, il n'y a plus Eddie. Mais bon, ça revient tellement vite. On va quand même 15 secondes. Soit tu vas, soit tu vas. Ouais, et si si la tour est en l'air, c'est vraiment pas possible de rattraper. Bonne chance, il y en a beaucoup qui passent du côté de ouais. Et dans le corner. Ouais, ouais, c'est la fête. Oh, joli décalage. Oh, 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 joli contre-décalage avec la chope. On l'a inversé. Dans les cordes, Zato. Parti taille, Zato. Ouais, ah, la chose elle a perdu l'impression, c'est dommage. Il est sorti directement pour ça. Le corner, il a malheureusement, c'est là. Ça se fait inverse. Ouais, il faut qu'elle tienne encore 10 secondes. On peut attaquer, il n'y a plus Eddie. Il est dit, c'est très compliqué. Ouais, il y a le jeu. Chat est coupé. C'est bon, il y a le jeu. Non, mal, allez. Tu bouges jamais. Normalement, ça te donnerait tuer. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il a un bon. 3 fois, 4 fois dans le corner. Chacun leur tour. Ah, ils ont fait une passe, c'est très comme ça. Certaines, la plupart, il y a très bonne outil. Il va pas nous emporter le rang. C'est reparti la base. La base fou, quoi. Avec deux personnes. Lydia n'est pas aussi oppressante que Zato dans le corner, mais quand même, on sent que pas qu'il est. Elle a les moyens de faire. Elle peut faire durer la situation. C'est qui c'est ouais, ça va faire ses points. Il a pas eu la balle cette fois. Il est vite sorti du corner. Ok, ça vous le bait, ouais, ça vous le bait.
pas, c'était pas un missile boost. Non, en fait, il a sauté MC en gardant la blague. Ok, d'accord. En fait, c'était raisonnable parce que c'est vrai que là. Si je prenais le burst inversé, ouais. C'était fini. C'était fini, en fait, c'est vrai qu'il était... il avait déjà perdu le premier round, donc il fallait qu'il burst, mais ça s'est pas fait. On a un match. C'est très très serré. Partout et qu'il a réussi à réimposer son rythme plutôt pas mal, hein, sans break de round. Ouais. Bah, au début, Zato prenait l'avantage. C'est Zato. Alors, on a vu Kryu a pas peur de contest, hein, il faut le faire parce qu'il faut pas te faire bolos éternellement dans le corner. C'est le dernier match ? Ça va être le dernier match. Ouais. Okay. Ça balance, ok, j'ai un bel air shop, il y a complètement prévu. Il y a les deux qui sont au vélo, on sait qu'on counter l'autre. Zato full bar, c'est un peu dangereux, belle déchargée, mais après son pire bouton. Je pense qu'il y aura très peu d'erreurs dans ce match. Ok, on tue. Ah, le problème, c'est même quand tu tues Eddy, est-ce que t'as vraiment le temps de faire quelque chose après? C'est ça, donc là, tu dois rester sur la défensive, t'as pas le choix. Après, tu me dis, ça permet toujours de calmer l'offense de Zato quand même. Quand il n'y a plus Eddy, il ne peut plus faire le Mario. Wow, joli backdash. Et là, bah, si, ça commence. Et là, c'est au fond maintenant. Ouais. Pas de burst pour Zato. Dans la pression. Le low qui touche, ça va au splat. Il avait une grosse barre de pression quand même. Pas de Fury, malheureusement, pour tuer, mais on est plus très loin de la mouvement. C'était quoi ça? C'était très rapide ça, c'est pas mal. Ça fait du C'est Tony Hawk qui a le jeu. Ok, donc là on est en match point pour Kryu. Et c'est Guitillé, on a pris deux coups et on est dans le corner. Ça commence. Alors on n'a pas vu le pose être super efficace contre Bridget. Kryu aussi a bien maintenu la distance. C'est vrai que moi je connais mieux le match que l'autre. Ouais, comme dit, Kryu dose énormément de jeu, et je pense que le côté nouveau perso, assez dur à appréhender pour ça ici. Quel nouveau perso, hein, mais il a des très bons outils contre Zato quand même. Pour l'instant, en tout cas, Kryu, et ça l'a tué. Très beau match, belle adaptation. Belle option de Ryu. Mais voilà, Spicy est pas out, hein, il tape juste 11h, il peut pas faire les dégâts. Kryu, probablement un des favoris.